à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de 15 minutes pour prévenir, soulager et renforcer votre dos. Donc, il est important de faire cette séance vraiment régulièrement. Faut savoir que 80% de la population sont touchés par des douleurs dorsales, du sédentaire au sportif de haut niveau. Donc, il est important de préserver son dos. Allez, c'est parti. Alors, on y va. On va se mettre ici en quadrupédie. On va... Inspirez, on creuse le dos, on regarde le ciel, on inspire et on expire, on enroule. On enroule le dos, on rentre le menton et encore, on inspire, on creuse. Et on expire, on enroule. Ça va vraiment stimuler votre colonne vertébrale, améliorer votre souplesse. Et soulager les tensions. Allez, encore. Hop, on inspire et on expire. On enroule. Encore dernière fois, on inspire et on expire. Super. On va reculer un petit peu les genoux. On avance un petit peu les mains. On va pousser les fesses vers l'avant ici. Le dos est bien droit. En alignement avec donc la colonne vertébrale bien alignée et on va faire des mouvements de droite à gauche avec les cervicales. Hop, droite, on inspire, on est au centre et on expire, on tourne la tête. Même chose, reviens au centre, expire, encore, reviens au centre, expire. Dernière fois. Voilà, ça va réduire les tensions au niveau du cou. Très bien. On va passer maintenant en posture de l'enfant. Donc, les fessiers viennent au niveau des talons et on avance les mains. Voilà. On se concentre sur notre respiration. On va réaliser quelques inspirations, expirations. On va venir maintenant en quadrupédie. On se met à quatre pattes. On va renforcer un petit peu le dos. Donc on va tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. Et on y va. On ramène le genou et le coude opposé. Et on tend, on aligne. Regardez bien le sol, c'est hyper important. Encore. Ramène. Tend. Ramène. Tend. Encore. On inspire dans la longueur et on expire en ramenant. Allez, on continue. Si c'est trop dur, on peut revenir ici. Voilà. Regardez bien le sol. Le dos est toujours bien droit. Allez, 10 secondes. Ok, super, on pose. On va passer en Superman. Donc on passe sur le ventre. Hop, bras tendus de chaque côté. On va monter les épaules, serrer les fesses, monter les pieds. Et on redescend. On inspire, on va. Expire, remonte. 1, 2, 3, 4, descend. Encore. 1, 2, 3. 4 descends. Encore. 1, 2, 3, 4 descends. Si c'est trop dur, laisse les pieds au sol. Ici. 1, 2, 3, 4 descends. Allez, encore. 1, 2, 3, 4 descends.
Encore. 1, 2, 3, 4. Redescends. Super. On va repasser maintenant à quatre pattes. Et on va faire la quadrupédie, donc avec l'autre jambe. Tends la jambe gauche, tends le bras droit. Et c'est parti. Va chercher le coude et le genou. Et tends. Va chercher. Tends. Allez. Allez à votre rythme. On inspire dans la longueur, on expire, on ramène. Dos droit. Encore. Allez. On continue. Dix secondes. Un peu, on va passer encore sur le ventre et on va faire le nageur. Donc on va tendre les bras devant, les jambes sont tendues et on va faire lève la main droite et la jambe opposée. 1, 2, 3, redescends. Encore, lève les épaules, lève les jambes. 1, 2, 3, redescends. Encore, 2, 3, redescends. Allez, encore. 1, 2, 3, redescend. 1, 2, 3, redescend. Allez. 2, 3, redescend. 2, 3, regarde bien le sol. Hyper important. 1, 2, 3, descend. Encore 5 secondes. 1, 2, 3, descend. Super. Très bien. Alors, maintenant, on va passer en planche haute. Donc ici, dos bien droit. Et on va envoyer les fesses vers l'arrière. Et si c'est trop dur, on plie les jambes. On essaie d'avoir le dos bien droit. Hyper important. Ça va réduire les tensions du cou, améliorer la circulation. Et on allonge la colonne vertébrale ici. Et on reste dans cette position. Si on peut, on tend les jambes. Voilà, vous voyez bien les fesses en arrière. Si c'est trop dur, on plie. On essaie de tenir encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, reviens en planche haute. Pose les genoux. Super. On va passer maintenant encore à plat ventre. Les mains de chaque côté des épaules, ici. Et on va pousser sur les mains, on tend les bras. La position du cygne, donc ça va, on se concentre sur l'alignement de la colonne vertébrale. On utilise bien évidemment les abdos et les lombaires. On plie. Voilà, on inspire en bas et on expire. Encore, inspire. Expire. Si c'est trop dur, on peut les mains, vous les amenez un peu plus loin pour réduire l'amplitude. Encore, on inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Super, on continue. On inspire. Expire. On inspire et on expire. Dernière fois, on inspire et on expire. On regarde bien loin devant. Super. Hop. Très bien. On va passer maintenant sur les fesses. Hop. Voilà, on va écarter les jambes ici, bras tendus de chaque côté. On va inspirer et on va souffler et on va aller chercher le pied opposé. Reviens au centre,
inspire et va chercher le pied. Encore. On inspire. On va chercher le pied. Comme si on allait chercher, on allait scier le petit orteil. Reviens au centre. Inspire. Va chercher. Encore. Reviens. On inspire, on se grandit. Et on va chercher. Encore. Dernière fois. Inspirez bien. Ici, les deux pieds sont au sol. Vous allez crocheter, vous mettez les mains sous les genoux. Vous allez inspirer, vous grandissez. Et on expire, on souffle, on arrondit le dos. Rentrez la tête, on y va. On inspire, on se grandit et on expire. Encore, on inspire. Et on expire. Encore. On inspire. Et on expire. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Donc ça stimule la colonne vertébrale. Ça améliore votre souplesse. Et on revient au centre. On va poser le dos ici au sol. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol ici. On va monter les fesses et on descend. Ok. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Monte les fesses, serre les fesses, redescend. Monte, serre les fesses. On descend tout doucement la colonne vertébrale et on remonte. Monte, serre les fesses, descend. Vertèbre par vertèbre et on revient. Encore. Monte, serre les fesses et on descend. Encore. Monte, serre les fesses et on descend. Encore. Allez. Monte. Hop. Encore. Monte. Descend. Super. Encore. Monte. Hop. Monte, descend, monte, descend, encore, monte, descend. Ok, super, relâchez, soufflez un peu, vous allez attraper les deux genoux maintenant à la poitrine. Ici, on va se balancer de droite à gauche, on va faire un automassage de la colonne vertébrale. Quelques minutes, on inspire, on expire. Deux bras tendus de chaque côté, bascule les deux genoux à droite et regarde à gauche. On prend quelques minutes. On inspire, on expire bien. Reviens au centre, les deux genoux sur la poitrine, on bascule les deux genoux de l'autre côté et on regarde à l'opposé. Tendez bien les bras si vous pouvez. Super. Inspirez bien, expirez.
va basculer tout doucement sur le côté pour pouvoir passer maintenant à genoux. On va faire le dernier exercice. Donc on se met à genoux. On avance ici le pied plus loin que le genou ici. On bascule le bassin vers l'avant ici. Et on se tient droit. Le tronc est bien droit. On étire le psoas qui est hyper important puisqu'il est relié au niveau des lombaires et au niveau des jambes. C'est hyper important de l'étirer souvent, surtout si vous êtes toute la journée assis. On change de jambe maintenant. Parce que le bassin vers l'avant. Le tronc est bien droit. On n'est pas ici. On est vraiment bien positionné. Quelques secondes. Des étirements de la jambe qui est à l'arrière ici. Ok, bravo, merci tout le monde.